Bienvenue dans Acteurs Publics Solutions. Nous allons parler d'innovation dans les solutions de stockage aujourd'hui, à destination notamment des organisations et des entreprises publiques. Alors pour cela, je suis en compagnie de Gabriel Ferreira, qui est directeur technique chez Pure Storage. Bonjour Gabriel Ferreira. Bonjour madame. Alors pourriez-vous, dans un premier temps, nous rappeler un peu ce que c'est Pure Storage, la spécialité, votre métier? Ben écoutez, nous sommes une filiale d'un groupe américain basé dans la Silicon Valley et notre champ d'action, c'est l'infrastructure, donc l'IT, et plus spécialement les plateformes de données. Donc on est une société relativement jeune par rapport aux acteurs historiques qui sont IBM, IBM, Dell, HPE, etc. Néanmoins, avec un focus innovation, on a su percer le marché. Aujourd'hui, on compte 7 800 clients et on fait près d'1,7 milliard de chiffre d'affaires annuel. Et le Magic Quadrant nous positionne en tant que leader technologique sur notre marché. On compte de nombreux clients en France dans le secteur public. Alors beaucoup d'hôpitaux, ça peut être l'imprimerie nationale, ça peut être des agences de développement. Voilà, donc c'est très divers, une très grosse pénétration dans ce secteur-là. Et vous êtes venu nous présenter aujourd'hui une nouveauté qui s'appelle Evergreen Storage. Quelle est l'innovation? Alors écoutez, effectivement, on est parti du principe qu'il fallait arrêter dans notre pratique de consommation technologique. Hein, tout le monde est habitué à acheter un équipement, à l'utiliser, et au bout d'un moment, quand il est un peu usé et obsolète, on le jette pour en racheter un autre, plus moderne. Voilà. Et on s'est rendu compte que tous les composants ne vieillissent pas de la même façon et à la même vitesse. Et donc, on a revu un petit peu notre façon de consommer. Et un équipement aujourd'hui, on est capable de le mettre à jour sans par pan, sans devoir le jeter complètement et donc en réalisant des économies à la fois financières et dans le green. Et parce qu'on entend effectivement dans le nom, hein, Evergreen, on entend le mot green. Vous êtes parti à l'origine d'un constat que les directeurs économiques et financiers, les décideurs aussi techniques et technologiques, les patrons, les responsables des achats éco-responsables et durables des organisations ou des entreprises publiques, eh bien, avaient besoin de solutions peut-être pas plus vertes, mais en tout cas plus flexibles, c'est ça? Absolument. Aujourd'hui, on vit dans une ère où les utilisateurs sont habitués à avoir tous les services et en temps réel. Et on s'est aperçu que jeter un équipement pour le remplacer par un autre était difficile pour les DSI parce qu'ils doivent gérer des transitions, des interruptions de services, des migrations de données, des choses comme ça, qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Donc, on a mis au point une technologie avec une architecture différente et qui est capable d'évoluer à l'infini dans le temps sans devoir interrompre l'activité pour mettre à jour son équipement. Voilà, donc c'est une évolutivité, une flexibilité maximale sans précédent avec des gains importants en termes financiers et green, comme je disais tout à l'heure. Et alors, si vous deviez résumer l'innovation qu'on trouve aujourd'hui derrière Evergreen Storage, les grands points Écoutez, principaux. c'est un peu un win-win qu'on a avec nos clients, c'est-à-dire qu'on leur permet d'acheter moins. Donc, qui dit acheter moins, ça veut dire qu'on consomme moins de matériaux précieux, moins d'eau pour la fabrication, moins d'extraction de minerais. Qui dit acheter moins, ça revient moins cher. Si on jette moins, il y a moins de déchets à recycler. Et du coup, on a moins de pièces à conserver pour la maintenance et on répercute les baisses de coûts de maintenance chez nos clients. Donc, c'est vraiment un win-win, un partenariat win-win et les clients nous rendent bien. Dès qu'ils s'engagent avec Pure Storage, eh bien, ils nous adoptent et ils nous conservent de très nombreuses années. Vous parlez de clients, vous auriez un exemple de réalisation concrète d'utilisation d'Evergreen Storage? Alors, de nombreux clients dans le secteur public, je vais en citer un qui est la TIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Ils ont déployé nos systèmes, migré pour la dernière fois leurs données sur notre plateforme, et tout de suite, ils ont eu une accélération de leur traitement, donc
leurs applications eh bien, délivraient plus vite les utilisateurs, entraînant une satisfaction des utilisateurs bien, bien plus grande. Et Brice Sauvageon, qui est l'adjoint au responsable système et réseau, déclarait bah, Pure Storage est juste une technologie disruptive par rapport à tout ce qui peut exister sur le marché du stockage. Et un des avantages aussi de nos solutions, c'est la simplicité et la rapidité de prise en main de nos systèmes. Merci beaucoup, Gabriel Ferrara, pour ce rappel sur cette innovation technologique et Evergreen Storage. Merci, à bientôt. Merci à vous.